vais changer le titre de cette vidéo, parce que je voulais dire je mange comme dans mon enfance partie 2. Mais non, je mange comme dans l'enfance de ma sœur pendant 24 heures. Bonjour à tous. J'ai retrouvé ma bonne humeur, ma joie de vivre, ma positivité. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Je vous jure, je suis dans mon lit. Je vais au sport, je pars dans 5 minutes. Je fais purée, il faut que je fasse cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, demain, ma petite sœur... Elle a 25 ans, un quart de siècle. Bon, moi je vais avoir 28 ans cette année et je le vis trop mal. Genre là j'approche des 30 ans les gars, là ça y est, c'est fini les 20 là. Bref, du coup je voulais dédier cette vidéo à ma petite sœur Sarah qui va avoir 25 ans. Happy birthday to you, happy birthday to you, you, you. Je vais appeler ma sœur, voir si elle me répond, peut-être qu'elle est au travail. En ce moment elle travaille à Disney d'ailleurs ma sœur. Réponds, 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 réponds. Ma sœur tu réponds toujours, là c'est une vidéo YouTube, faut que tu répondes. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Ma sœur, tu es en direct sur YouTube. Juste, est-ce que tu peux me rappeler? J'ai besoin de toi pour une vidéo. Voilà, merci, bisous. Ben, je vais au sport parce que je vais être grave en retard. Et dès qu'elle répond, enfin, on la rappelle et on voit ce qu'on va manger. Je rentre du sport, je sors de la douche, il est 23h. Et ma sœur, elle... Ah, ma sœur, elle m'appelle. Ouais, ma sœur. Ouais. Alors, je vais t'expliquer, ma sœur, pourquoi je t'appelle ce soir. Il est 23h02. Dans une heure, c'est ton anniversaire, ma sœur. Je vais manger comme dans mon enfance, partie 2. Sauf que j'aimerais que ce soit ta perception. Des peaches, ok. Ouais, ou des crêpes waouh. Ou des crêpes waouh, ok. Après, le midi, bah, je peux référencer au mercredi midi. Parce que sinon, on mange à la cantine. C'est vrai qu'on mange à la cantine. Sinon, moi, je faisais beaucoup de raviolis en boîte. Ah. Ce que je faisais aussi, c'était que je mettais au four. Mais non, tu faisais ça? Si, je faisais ça. Quand j'étais solo, je vais me faire manger, je faisais ça. Et en dessert, je me faisais pareil, mais avec une canne à l'intérieur. Ok, bah vas-y, why not, très bien. Vous l'avez entendu hier soir, ma soeur, le matin, c'est peach crêpe waouh. Bah du coup, j'ai pas tout ça moi chez moi en fait. Moi, alors, je vais vous expliquer un petit peu en ce moment. J'évite d'acheter tout ce qui est sucre parce que bah j'essaie de faire attention à ma consommation de sucre. Parce que comme vous pouvez le voir, j'en mange beaucoup. Je vais aller acheter et dans tous les cas, ça sera pas perdu parce que je vais le donner à ma soeur. Ça va lui faire plaisir. Elle mange encore ça aujourd'hui, il faut savoir au petit déjeuner. Franchement, la vie, elle est devenue chère, les gars. Mais vraiment pour tout, quoi. Tu te rends compte, finalement, que pas très bien manger, ça te coûte aussi cher que bien manger, finalement. Pas de critique dans cette vidéo, on est d'accord. C'est l'exemple d'une journée, d'un mercredi. Sachez que je n'étais même pas au courant, pour vous dire, du repas de ce midi. J'étais où à ce moment-là? Genre, qu'est-ce qui se passait? Vous voyez? Je sais pas. Des peaches. D'ailleurs, j'en mangeais aussi. Ou des crêpes waouh. Le plus dur, les gars, vous le savez, c'est ce que je vais boire. Ça, je me souviens très bien, mais toute ma vie, je ne comprenais pas, en fait. Je lui disais, mais Sarah, pourquoi? Pourquoi tu bois ça le matin? Alors, c'est important pour commencer la journée, mais bois autre chose, en fait. Elle boit que de l'eau. Ou mieux ça que de boire du jus trop sucré. Moi, je lui dis ça parce que j'aimais trop, genre, tout tremper quand j'étais jeune et encore aujourd'hui. Peach pépites, j'ai pris ceux-là parce que c'est c'est ceux que je me souviens le plus en fait, c'est ce qu'on mangeait le plus en vrai. Peach au mot peach, chacun sa brioche, mets dans ta poche un peach ou deux. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la référence. Mon peach, quand t'as pris creux, prends dans ta poche un peach ou deux. Incroyable cette musique, incroyable, ça nous faisait danser dans le salon quoi. Allez, c'est parti pour la dégustation de ce merveilleux peach, le paquet m'a coûté 2,59€. C'est un délice. Franchement, j'aime trop les peaches, moi, en vrai. Mais vous voyez, je peux pas tremper. Normalement, je suis là. Avant, j'avoue, le matin, je mangeais trop vite fait, genre brioche, Nutella, machin. Ça, c'est fini. Alors, ma sœur les faisait chauffer pendant 30 secondes. En fait, elle devient un peu molle. Ah, je vois. Et le chocolat qui fond. Hop, pareil. Hop, pareil. Ça, par contre, c'est addictif. Ça veut dire manger une autre. J'ai envie d'en manger une autre. Vous mangiez quoi, vous, dans votre enfance? Nous sommes le midi et je vous avoue, j'ai très très peu de temps pour manger. J'ai genre 10 minutes parce qu'en fait, je rentre du sport. Et là, j'ai un rendez-vous avec Pôle emploi. Donc, ma sœur m'a dit hier qu'elle avait un petit repas, genre fétiche, le mercredi après les cours. Donc, pain de mie. Et ça, c'est vrai que c'est le pain de mie que ma mère nous achetait tout le temps, le sans croûte. On adorait ça. Babybel. Ça, je comprends pas déjà pourquoi Babybel, il fait encore du plastique comme ça. On m'explique? Non, mais franchement,
C'est une honte. Moi, je trouve que ça devrait plus exister, les filets comme ça, là. Alors déjà, je vais manger un Babybel pour le plaisir. Qui aime le Babybel? Ça, c'est vraiment, c'est le fromage qui a pas de goût, quoi. Mais je sais pas, d'un côté, c'est bon. Bon, c'est quand même bon, le Babybel, hein. Oh, ce pain-là. Oh, ma vie. J'ai ma vie. Donc, elle prend deux tranches, donc au milieu du pain. Et après, elle va le mettre au micro. C'est quel repas, Sarah, ça? Ça existe pas. Et on laisse fondre le Babybel. Mais est-ce que ça existe? Ça existe, ce repas, franchement? Oh. Et vous savez, ce qui serait bien, c'est de l'agrémenter avec des petites tomates. Enfin, se faire un vrai sandwich, quoi. De toute façon, je vais découvrir quelque chose. Hein. Je vais mettre juste un peu de sauce algérienne, vite fait, un chouï. Après tout, pourquoi pas, hein. Avec la sauce algérienne, c'est meilleur. Mais comment tu faisais pour manger ça, ma sœur? C'est quand même assez lourd. Purée, c'est pas bien de manger vite comme ça. Vraiment, c'est pas bien. En dessert, Milka. J'avoue, je rigole, mais je faisais ça moi aussi. Pris le maxi, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Oh, le Milka, c'est pas juste incroyable. On met au milieu, comme ça. Place la brioche au-dessus. Hop. Ah oui, et je crois qu'elle faisait ça. Si je dis pas de bêtises. Ça donne pas trop envie, mais bon, pour l'avoir déjà expérimenté, je peux vous dire que c'est pas mal. On va le couper en deux, tel un sandwich. Oh non, j'ai mis de la sauce algérienne. Oh non. Non, j'ai mis de la sauce algérienne sur mon sandwich au Nutella, enfin au Milka. En vrai, ça, pff, un bonheur. Ça, j'avoue, c'est que du kiff. Oh non, j'en fous partout. Par contre, ce soir, ça va être cool, vous allez voir. Restez jusqu'à ce soir. Promis, ça va être sympa. Même le goûter, ça va être sympa. C'est l'anniversaire de Sisters. It's my birthday. 25 ans, 25 ans, 25 ans. J'ai mangé le peach ce matin, les crêpes Waou. Ouais. Ce midi, j'ai fait ça là. Babybel. Ça. Avec du Babybel. C'est rare, c'est bon. C'est bon, mais il manque un truc. Il manque du peps. En fait, je vais pas manger tout ça en vrai. Ouais, bah le pain de mie, ok, Babybel, ok. Après, c'est quoi ça? Bah, après, t'as des piches et des crêpes Waouh. Ouais, piches et crêpes Waouh, y'a pas de sauce. Bah, c'est tout ce que tu manges. Encore moins qu'il y a pas de sauce. Du coup, on souhaite tous un joyeux anniversaire à Sarah. Ça te fait quoi d'avoir 25 ans? Ça me fait que dalle. Ah bon? En fait, c'est les 26 ans que je redoute. En vrai, voilà. Moi aussi, quand j'ai eu 25 ans, ça m'a rien fait. Parce que 26, là, ça va me dire. J'approche des 30 ans, tu vois. Mais attends, qu'est-ce que je devrais dire? Oh my god. Et ouais. Et est-ce que vous chauffez vos crêpes Waou aussi? Parce que... J'ai chauffé ce matin. Bah j'espère bien que t'as chauffé ce matin. J'ai chauffé. T'as pris des napolitains, mais je me souviens plus, c'est moi qui mangeais ça, pas toi. Non, c'est toi, c'est pas moi. Toi t'aimes pas les napolitains? Si, j'aime bien, mais... C'est pas ton aile, quoi. On va aller chercher une torsade à la boulangerie pour rappeler notre enfance. Voilà, mais sachant que les torsades que nous on mangeait, elles étaient comme as. Ouais, à la base elles étaient grandes. Elles étaient super énormes, elles coûtaient 1,30€ à l'époque. Vraiment. Et c'était les meilleures torsades que je mangeais de toute ma vie. Vraiment. On a fait exprès de se coiffer pareil. Alors. Mais on voit quand même qu'on a une différence de tête. Moi, je l'ai pas fait exprès. C'est elle qui a fait exprès. Parce que moi, de base, je suis partie là-dessus. Mais elle m'a rejoint. Bah ouais, je me suis dit, ça peut être sympa d'être pareil. J'ai payé ça. 1,60€, je crois. L'unité? Ouais. Ça va. Mais souvenez-vous ce qu'elle a dit juste avant. Ouais, mais c'était à l'ancienne. Nous sommes sur une petite torsade. Mais moi, ça me va très bien. J'ai l'impression qu'elles sont bonnes, celles-là. Alors vous mangez comment vos torsades? Moi je coupe. Alors moi, je mange d'abord le début, d'abord la fin et après le milieu. Ah ouais? Ouais. Mmh. Parce que c'est les moins bons côtés. Mais je me souviens, maman nous achetait des torsades, mais il y avait là les pépitas. Il y en avait beaucoup. Vraiment les meilleures torsades de ma vie. Ah ouais, hein. Vraiment, sincèrement, la taille d'une baguette. Alors? Bah ouais. Non mais elle est bonne ou pas? Ouais, c'est une torsade quoi. Moi ce que j'aime bien, mais une torsade, c'est quand il n'y a pas de sucre glace. Mais là, je trouve pas qu'elle est bonne. Mais si, c'est bon. J'aime bien les balles de la crème. Même le pain et tout, franchement, c'est bon. Ah, mmh. Oh, moi j'adore quand il y a du chocolat comme ça là. Mmh. Non. Ma vie. Une torsade d'anniversaire. Qu'est-ce que t'as à retenir de ces 25 années? Faites ce que vous voulez, quand vous voulez, période. Pourquoi c'est ça? Bah, parce que j'ai découvert la life, tu vois. Okay. Je vous présente mon école primaire. Et ce mail, c'est là où nous avons fait notre scolarité avec Sarah. Et oui. Trop de souvenirs. Et c'est vrai que ça, c'est notre école primaire, tu t'en souviens toi? Bah moi j'ai fait maternelle et primaire en plus. Ah ouais? Ouais non, j'ai fait que primaire moi, j'avoue. Voilà, c'est notre école quand on était petits. Meilleure école, voilà. Ouais, team moi aussi. Semaï et pas Team Tabarly, ok? Ça me tenait à cœur de vous montrer où j'ai fait mon école. Enfin, on a fait notre école. Ouais, la best. Maintenant, place au resto. C'était belle, Mams.
T'es belle. Attends, ça se va bien. Savais que les sous la carte. Ouais, savais que les sous la carte. Franchement, trop belle. Ça fait ressortir ton visage et tout là, cette couleur. Du coup, on va au couscous parce qu'en fait, c'est le restaurant préféré de Sarah. Et voilà. Voilà, manger couscous. Donc du coup, bah, pour son anniversaire, on va célébrer ça, manger un bon couscous qui nous rappelle nos origines. Donc on mange pas le couscous tunisien parce qu'il y en a pas, mais du coup, ça sera un marocain. J'aime trop parce que dans le resto, on a toujours des trucs comme ça. J'adore ça, pique. Alors, tu vois. Moi oui. Moi non. Bah, t'inquiète pas, ma sœur. Let's voilà, catch up. On sait qu'on fait partie de la famille. Là, au Maroc, c'est pas la même dans certaines régions. C'est pour YouTube. Non, mais attends, c'est le micro. Oui. Oui. Ouais. C'est le choco marocain. Voilà. Le pain, il est super bon. Ah ouais? Non, regarde, ils sont pas lâchés. Ouais, c'est chaud. Le pain est très bon. C'est bon, ça va? Ouais, ça va. Super. Bon. T'as pris quoi? J'ai pris couscous kefta. Moi, j'ai pris couscous. Non, mais alors, légumes. C'est bon, gros? Ouais, c'est excellent. Pas la noyée express. Pourquoi t'as noyé ton couscous? Non, mais. Je suis sûr en que vrai, c'est. En vrai, j'ai pas fait exprès. T'as fait exprès pour faire un doggy bag pour l'emmener pour demain. Je suis sûr que c'est ça. T'es maline, hein? C'est faux. Ne goûtez pas. Bon anniversaire, Sarah. Joyeux anniversaire. Merci. Et merci à ma sœur. Elle souffre ma J'ai pas mis une chantilly, hein. Ah non. Ouais. Pourquoi pour commencer? Pourquoi? Pour qu'il s'infuse bien. Ah. Putain, il vise bien, hein. Ouais, grave. Je suis sûre que les toilettes sont impeccables, chérie. Franchement, t'as enregistré ça? Bah oui, j'ai enregistré. Pas. Alors, le thé, il est excellent. Vraiment. Ça. Ça c'est excellent. C'est quoi? À corne de gazelle? Ouais. Ouais. Bah oui, moi je suis heureuse là. Je me régale. Moi j'adore. Sans envie, j'ai trempé. De cette belle année, de risque, il y en a beaucoup de choses qui ont été là. C'est vrai, la vache qu'elle a mis. Trop bon. Il y a plein. Franchement, c'était fameux. Très agréable en tout cas. Attends, ils veulent qu'on fasse une vidéo ensemble. 24 heures, je mange comme mon frère. Bah vas-y, bah oui, c'est quand ça? T'es la bienvenue à la maison. C'est une journée. Retour au calme, les amis. Alors, j'ai l'impression que j'ai retracé un petit peu ce qu'on faisait dans notre enfance avec ma sœur. Le couscous, c'est son plat préféré. Elle a toujours aimé ça. Chaque anniversaire, on va au couscous. Mais c'est vrai que dès qu'on se retrouve, ma mère, elle nous a toujours fait passer des anniversaires incroyables. C'est toujours, chaque anniversaire est mémorable quoi, et merci maman pour ça. Alors même quand c'est pas mon anniversaire, que c'est l'anniversaire de mon frère, que c'est l'anniversaire de ma sœur, c'est toujours, je sais pas, c'est magique. Je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo finalement le jour de l'anniversaire de ma sœur. Je suis contente d'avoir immortalisé ça avec vous, vous avez pu tout voir, je suis trop contente. Mettez un max de commentaires pour la famille, pour ma sœur, pour mon frère, pour ma mère. Moi, je vais mettre ma petite huile, chaque soir je mets ça. Mais c'est vraiment trop bien, je l'aime trop cette huile. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Mais je sais pas s'il y a des gens qui vont rester jusqu'à la fin, mais c'est pas grave, je vous le dis. Le rythme de mes vidéos change. Je décide maintenant sortir ma vidéo du dimanche maintenant le lundi. Et celle de jeudi peut-être vendredi. Voilà, je décale les sorties de vidéos parce que en fait je trouve que par rapport à mon organisation, ça me permet de un peu plus respirer le week-end on va dire. Et de me mettre moins la pression. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. On n'oublie pas, positivité, joie de vivre, bonne humeur. Je vous aime fort. Love you.